le présent projet de partenariat soumis au chef de l'État par la Société pour l'habitat et le logement en Afrique via la Société nationale immobilière apporte sa contribution dans la politique du chef de l'État, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema, qui consiste à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes en apportant des solutions à la crise du logement au Gabon. Cette audience a donné l'opportunité à Shelter Afrique de présenter sa stratégie de financement de l'habitat et de l'immobilier que l'institution financière panafricaine entend mettre en place. On parlait de l'importance du financement de l'habitat et du développement urbain. Nous avons parlé de la participation du Gabon dans les instances de Shelter Afrique Development Bank. Et notre collaboration aussi avec le gouvernement du Gabon pour la mise en place d'une stratégie du logement à travers notre modèle viral qui consiste à définir la vision et la mise en place des institutions clés pour le secteur de l'habitat et du développement urbain et toutes les réglementations qui vont avec, ainsi que travailler avec les différents acteurs de la chaîne de valeur du logement, du développement urbain et participer aussi au développement des initiatives locales comme les PPP, les partenariats publics-privés, avec notamment la SNI et aussi la CDC pour la mise en place d'une caisse de refinancement hypothécaire qui va permettre aux ménages d'avoir accès à des logements abordables. L'habitat étant un secteur prioritaire, ce partenariat entre l'État gabonais et le groupe Shelter Afrique pourrait répondre encore plus efficacement aux besoins en logement que le secteur a commencé à résoudre depuis l'avènement du coût de la libération.